Bonjour les parents, les grands-parents, les amis de la famille. C'est toujours un très grand plaisir chaque année pour les enfants de vous faire écouter leurs chansons qu'ils ont apprises pendant toute l'année pour certains et pendant la deuxième partie de l'année pour les grands pour cette année. Donc, deux chorales à l'école. La chorale des petits qui va de la moyenne section à la classe de CE1 avec les enfants de CLIS qui sont les plus jeunes et qui est dirigée par Madame Elisabeth De Ric. Donc on a les classes de Madame Martine, de Madame Sylvie et de Madame Isabelle et de Madame Elisabeth. Et la deuxième chorale, la chorale des grands, on voit, hein, et ce qui va de la classe de CE2 au CM2 avec les plus grands de CLIS. Donc on retrouve la classe de Madame Rouvillère, la classe de Madame Lécaille remplacée pour son congé maternité par Madame Sabrina de Heninck et la classe de Madame Valérie Cousin en CM2, sans oublier la classe de Madame Elisabeth Doulet pour l'Église, qui est et cette chorale des grands est dirigée par Dominique Marle, qui est également notre président d'OGEC. Donc un grand merci aux deux chefs de chœur qui acceptent tous les ans de diriger ces deux chorales. Donc nous, en tant que spectateurs, on va apprécier ce beau spectacle. Cette année, le thème de l'année choisie pour l'école était les métiers. Donc on continue, les enfants ont appris plusieurs chants, vous allez voir, en lien avec ce thème. Et ils y ont mis tout leur cœur. Donc je pense et je suis certaine même que la qualité du spectacle sera au rendez-vous. Maintenant je me tais. Les parents, il y a des chaises, n'hésitez pas à vous asseoir, ce n'est pas comme à la messe, il n'y a pas de quai d'entrée, donc vous pouvez vous asseoir, il n'y a aucun danger. Et puis on va vous demander aussi, je pense que je vais le faire à la place, comme ça c'est peut-être bien de le faire. Comme c'est des chants chorales, les enfants vont bien travailler, s'il vous plaît, les coucous, pour l'instant, ce n'est pas une kermesse, hein, je suis peut-être un petit peu sec en le disant, mais il faut qu'ils soient attentifs, qu'ils soient face à la photographe, surtout pour les plus petits, parce que ce n'est pas évident. Et puis même pour moi, avec les plus grands, c'est nécessaire qu'ils me regardent, moi, ou qu'ils regardent Madame De Ric. Merci d'avance. Et puis les portables aussi, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que cette année, on a commencé donc quelques chants sur les métiers, mais en avant-première, on a fait avec les maîtresses, on avait très envie de renouer avec des chansons traditionnelles, des chansons que vous avez apprises, que les grands-parents ont apprises quand ils étaient petits, et qu'on a tendance un petit peu à oublier. Donc voilà, on va refaire tout d'abord un petit assemblage des anciennes chansons.
Premier métier, nous allons aller chez les coiffeurs. Écoutez bien, je ne vous conseille pas d'aller chez ce coiffeur-là.
Alors, une chanson aussi qui évoque l'amitié, mais on n'a pas la chance dans tous les pays d'avoir des enfants qui puissent aller à l'école. Et on a fait une petite étude, notamment sur le pays d'Haïti, où des enfants de leur âge sont obligés d'aller travailler et de faire des boulots, des petits boulots très très durs. Donc voilà, on voulait aussi leur apprendre ça. Et cette chanson parle de ces enfants qui sont obligés d'aller travailler pour ramener de l'argent à la maison. Thank you.
la dernière chanson pour nous, et avant de reprendre une chanson avec Laurent tout à l'heure. Cette chanson s'appelle Cool Raoul, et quand je l'ai trouvée, j'ai fait exprès de la trouver pour vous, parents. Parce que je sais que tous les matins, les midis, tous les soirs, c'est vite, vite, les méchants. Vite, vite, prends ton cartable, vite, vite, va prendre le bain, enfin, vite, vite, quoi. Écoutez bien le message de vos enfants. Et autour de la chorale des grands, comme disait Mme Le Bablard tout à l'heure, la chorale des grands, on a commencé en février.
J'ai eu très peur au moment des vacances d'avril, parce que avec les chants qu'on avait choisis, plus celui que vous entendrez tout à l'heure, qu'ils ont choisi, on en a un peu bavé. Mais enfin, on y est arrivé quand même, mais c'est quand même un petit peu juste de février à juin pour apprendre vraiment, travailler vraiment les chants complètement avec la chorale. On va faire un chant commun après avec les petits, mais un premier chant, ça va leur permettre de chauffer un peu la voix. Et concernant les métiers, on va partir sur une très très vieille chanson, dans les années 30-40. On va parler de cordonnier, c'est encore un métier actuel, c'est un métier qui est utile, quand on va faire réparer nos chaussures ou autre. Donc on va tout simplement vous chanter le petit cordonnier. Ça parle de l'écologie. Ça parle donc d'écologie vers l'univers, le vert, la couleur verte, en espérant, et sachant qu'on a une grande réunion en fin d'année en France sur le sujet, il est temps de faire quelque chose. Alors ce chant-là, on l'a appris avec les deux chorales. Hier, ça a marché, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. C'est comment à la fin quand je fais comme ça c'est... Non. J'avais bien dit hier que ils obéissent mieux que mon épouse. Je dirai pas ce qu'il a dit après aussi. Je le dirai Thank you.
Merci. Donc les petits, ben, ça c'était le chant commun, donc on va se... Deuxième chanson, donc les plus grands pour la partie métier. On va partir faire un petit tour en mer, on va parler de marin. Et on va vous chanter une chanson de Jacques Ivar, donc un chanteur de la région, un chanteur natif de Dunkerque, qui chante énormément de chansons sur la mer. Et c'est tout ça son nom. Ça s'appelle tout simplement Ohé du bateau. Petite difficulté sur ce chant-là, c'est qu'il est à deux voix. Si on peut dire que c'est un métier, normalement c'est une fonction, on va avoir un métier, mais beaucoup d'hommes politiques considèrent que leur fonction devient un métier, parce qu'il y reste des années et des années. On va vous parler de monsieur le président de... Ah, le chanteur, je l'ai oublié. Gérard Lenormand. Thank you.
La grosse difficulté de ce chant-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'ils y viennent. Donc ils y vont. Et puis moi, j'ai beau abattre les mouches qui sont devant moi, mes mains ne servent à rien. Donc je vais essayer à ce que mes mains servent un petit peu plus à quelque chose. Regardez-moi. Si vous êtes en avance, c'est ce qu'on a dit en répétition, vous m'attendez pour redémarrer. OK ? On a le droit de se tromper. On essaie de récupérer au milieu. Allez, on le reprend. C'est très court. Ah, autre chanson, on va rester dans les métiers. Métiers qui malheureusement, on en a encore entendu parler, malheureusement encore aujourd'hui, puisque est arrivé encore en France un drame, encore un attentat malheureusement, et même en Tunisie. Et bien entendu, quand c'est comme ça, les soldats doivent se déployer. Malheureusement, actuellement, ils doivent énormément se déployer pour des événements graves, tristes, des guerres et autres.
On aime bien aussi quand ils peuvent se déployer pour venir en aide, quand il y a quelque chose à faire, mais ce qui est plus sympa. On va penser à nos soldats aujourd'hui et on va chanter la chanson en ayant un petit message quand même vers la guerre 14-18. Je sais que les enfants ont beaucoup travaillé sur ce sujet de la dernière année scolaire. C'est le centenaire de cette guerre. On en a souvent parlé. Et il y a Florent Pagny qui a écrit une très très belle chanson qui s'appelle Le Soldat. Les enfants, je l'avais mis au programme et on n'avait pas le temps de l'apprendre. Vu la chanson que je vous montre, que vous présenter après, et eux ont choisi. Et à un moment donné, on dit. Et Dominique est le soldat, quand est-ce qu'on le fait? Mais si vous êtes très sérieux en répétition, on va essayer. On vous l'offre ce soir. On va revenir un petit peu avec un cordonnier, on va revenir avec d'autres métiers, de professeurs et autres. On va passer avec Jean-Jacques Goldman, la chanson « Il changeait la vie ». Alors cette chanson-là, pareil, il a fallu trouver les bonnes tonalités. Ça n'a pas été évident. Goldman, c'est quelqu'un qui chante très très haut. Donc les enfants ont eu du mal. Donc vous allez voir la différence entre les chants de Goldman et ici. C'est que la première partie du chant, les filles vont le chanter avec une voix un peu boulotte. Et la deuxième partie où Goldman monte vers les étages, nous on va essayer de descendre un peu plus vers la plage.
on arrive à la dernière, c'est ça, hein. La dernière, alors la dernière, une petite explication quand même. Cette année, les enfants ont voulu, m'avaient déjà demandé l'année dernière s'ils pouvaient choisir un chant. Pourquoi pas? Il faut s'attendre à tout dans ce cas-là. Alors ils ont voté. Pas de liste, hein, pas de liste préétablie, rien du tout. Ils ont chacun essayé de choisir le chant qu'ils aimaient. Et ils ont mis ça dans une urne et on a dépouillé ça. Ça nous a pris une répétition d'ailleurs, de plus. Donc ça nous a pris une répétition pour dépouiller tout ça. Et on est sorti un chant dont je connaissais ni la chanson, dont je connaissais pas l'interprète. Ça, c'est la problématique des générations. Peut-être certains avec les parents, vous allez savoir. Black M, ça vous dit quelque chose, peut-être? Oui. Moi, ça me dit quelque chose, mais non. Ça m'a permis de perdre quelques kilos en répétition. Je les ai vite rattrapés après. Donc, tout simplement, cette chanson, quand on l'a vu, cette chanson, on a dit, oh là, maintenant, on va écouter les paroles. Et les paroles, il fallait les écouter parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre n'importe quoi. La chanson est belle, le rythme est bon, c'est du rap, c'est bien. Mais... Et quand j'ai regardé les paroles, quand on a regardé les paroles avec l'équipe éducative, on était un peu scotché. Scotché parce que le premier couplet, on parle de bien de garder le sourire, dans tous les cas, dans tous les événements. Et garder le sourire, c'est pour un chanteur, à un moment donné, de monter sur scène, mais d'avoir un drame dans sa famille. D'avoir un drame dans sa famille. Et j'ai pensé à deux chanteurs. C'était Patrick Sébastien, un jour, qui montait sur scène un soir alors qu'il avait perdu son fils d'un accident. Et une autre chanteuse, qui s'appelle Isabelle Aubray, qui devait monter sur scène un soir aussi, dans la tournée H-Tendre. Et le jour même, elle avait appris le décès de son meilleur ami, de son plus grand ami, qui était Jean Ferrat. Le deuxième couplet, il faut garder le sourire sur scène, parce que le public est là. Le deuxième couplet parle plutôt de quelqu'un qui est chanteur, ou qui a un métier, n'importe lequel, et qui a besoin d'un contact avec le public, d'un contact avec une clientèle, et qui doit avoir ce sourire aussi. Mais il vient d'apprendre un truc énorme par son médecin. Il a encore quelques mois, sinon quelques jours, quelques années à vivre, parce qu'il a une grosse tumeur à l'oreille. C'est fort pour des enfants de trouver ça. Quand on a trouvé ça, il dit, oula, on va apprendre, il faudra le travailler, puis travailler les paroles avec les enfants. Et le troisième couplet, ça part d'un autre problème très grave. C'est le problème des dames, des femmes battues. Alors aussi, le texte, il est génial. On va essayer de vous l'interpréter. C'est pas facile. Le refrain, ça va tout seul. En une fois, on l'avait. Les couplets, on en a pas fait. Allez, on vous l'offre.